Mercredi 15 mars 2023, dans le troisième épisode de Top Chef, Asaf Granit proposera une épreuve aux candidats. Originaire de Jérusalem, il est à la tête du seul restaurant israélien étoilé de France. Nouvelle semaine, nouvelles épreuves, nouveau chef. Mercredi 15 mars 2023, dans le troisième épisode de la 14e saison de Top Chef, les candidats devront d'abord relever le défi lancé par Guillaume Sanchez, ancien participant du concours culinaire, récemment récompensé d'une étoile guide Michelin, réinventer un classique de la street food. Lors de la deuxième épreuve, c'est le chef israélien Asaf Granit qui leur demandera de réviser le kebab. Originaire de Jérusalem, il a découvert la cuisine avec sa grand-mère, Léa, d'origine polonaise, qui préparait des plats inspirés de recettes marocaines, yéménites et autres. Mais c'est beaucoup plus tard qu'il a décidé d'en faire son métier. Alors qu'Asaf Granit travaillait dans un bar, on lui a demandé de donner de l'aide en cuisine pour préparer une salade, et cela a été l'évidence. J'ai vu la cliente sourire en la goûtant. Je me suis dit, je ne sais rien faire et en 5 secondes, j'ai rendu quelqu'un heureux. C'est ça, ce boulot? Et en plus je suis payé? Dès ce moment-là, j'ai su que je voulais être cuisinier, confiait Asaf Granit dans une interview accordée au Figaro en 2019. Asaf Granit, j'adore être devant les caméras depuis, Asaf Granit est devenu chef. Et il est désormais à la tête de 13 établissements un peu partout dans le monde, de Jérusalem à Londres, en passant par Tel Aviv ou Berlin. À Paris, son restaurant Chabour a obtenu un étoile en 2021, devenant le seul restaurant israélien étoilé en France. Quand il n'est pas en cuisine, Asaf Granit est en tournage. Il a participé à Game of Chef, la version israélienne de Top Chef, ce qui lui a permis de rencontrer le cuisinier de son restaurant parisien. Il est également le visage de Kitchen Nightmare, la version israélienne de Cauchemar en cuisine, présentée par Philippe Etchebest en France. Je ne suis pas un acteur, mais j'adore être devant les caméras, disait-il au Figaro. Ajoutant, c'est aussi un moyen pour nous, chefs, d'exprimer nos idées et de rencontrer des talents. Aux candidats de la 14e saison de Top Chef de montrer le leur, de talent. Yeah.